Amis Domzy, bonsoir et bienvenue aujourd'hui pour un nouveau petit stream. On est parti pour une petite heure de live, alors je vais tout de suite activer le chat. Amis Domzy, bonsoir et bienvenue aujourd'hui pour un petit stream très spécial puisque aujourd'hui ça va être un petit stream sur Litter. Alors aujourd'hui pour le début, pour la première fois dans mes streams, je vous donne la possibilité d'interagir en direct directement via mon Discord. Donc le lien est dans la description juste en dessous. Donc c'est dans le petit channel réaction stream. Voilà, normalement que j'ai débloqué, normalement vous devriez pouvoir y accéder. Donc vous allez me voir comme ça. Et les personnes qui souhaiteraient venir poser leurs questions en direct, voilà comme ça vous arrivez là. Hop, comme ça, ben, vous allez pouvoir passer directement sur le stream. Comme ça, vous allez pouvoir poser votre question. Et tous les gens qui ont une question par rapport à l'éditeur ou sur OMSI 2 vont pouvoir ainsi avoir la réponse à la question qui se pose. Donc, on va tout de suite basculer dans quelques instants sur l'éditeur. Donc, aujourd'hui, c'est pas un stream de conduite sur OMSI 2, c'est un stream de mapping. Donc, voilà, c'est la première fois que je fais ce type de stream. J'espère que ça vous plaira, même si c'est radicalement différent. Et même si ça ne va durer qu'une petite heure environ, parce que j'ai pas le temps de faire un stream plus long actuellement. Bon, déjà, une petite heure, c'est déjà pas mal. Donc, voilà. Donc, je le répète pour les gens qui viennent tout juste de se connecter au stream. C'est possible, ils ont vu la notification via Facebook, via la chaîne YouTube, via le Discord. Donc, voilà. Vous pouvez pas dire que vous n'êtes pas au courant avec tous les moyens que j'utilise pour vous tenir au courant. Voilà. Donc, je répète donc, nous sommes donc sur un stream de mapping, donc aujourd'hui c'est pas de la conduite, c'est du mapping, voilà. Donc comme ça vous voyez un petit peu comment ça se passe avec Litter, à quoi ça ressemble, quelques outils pratiques. Donc le principe, ah t'inquiète pas Pizzano, je suis là. T'inquiète pas, alors je sais pas pourquoi mais aujourd'hui le chat Twitch n'a pas envie de fonctionner ici sur ma capture, normalement. Quand vous postez quelque chose, ça s'affiche sur la capture Twitch, mais aujourd'hui, ça n'a pas envie de fonctionner. Voilà, aujourd'hui, ça n'a pas envie de fonctionner. Ce sont des choses qui arrivent, ce sont les alinéas du direct. Donc, on va tout de suite switcher sur l'éditeur. Voilà, écran de stream, s'il te plaît. Voilà, donc, on est donc sur ma map, la map Réseau Volbus. Donc, c'est une map que j'avais développée, qui est sortie en avril 2019 plutôt. Alors c'est vrai que par rapport à d'autres maps françaises comme Horizon, Express ou encore Marseille, Volbus c'est un petit peu de la merde, hein, voilà on va pas se mentir, ouais, ne nous voilons pas la face comme on dit. Donc je vais essayer quand même dans la mesure du possible de voir vos commentaires sur le chat. Alors j'ai l'application Twitch sur mon téléphone, donc comme ça, parce que malheureusement je n'ai qu'un seul écran, parce que c'est la crise, voilà. Donc, par où commencer? Ah oui, donc, n'hésitez pas, donc, il y a un Discord qui est disponible si vous avez des questions sur l'éditeur. Vous allez sur mon Discord officiel, TechMons officiel, vous allez dans l'onglet réaction stream. Voilà, vous allez pouvoir poser toutes vos questions ainsi. Alors, donc, ici, actuellement, vous pouvez déjà voir la plus grosse différence par rapport à l'ancienne version de Réseau Volbus, c'est la gare de Lézy qui a été intégralement refaite, là où, dans l'ancienne gare, les bus, ils venaient, je sais pas si vous en souvenez, pour ceux qui ont déjà roulé sur la map. Alors, pour la petite info, il y a des bars un peu gênants sur... Oui, oui, t'inquiète pas, Pizzanouille, je sais d'où ça vient. C'est parce que ici il y a des problèmes sur Twitch qui veut pas m'afficher ce que je lui demande, cet enfoiré. Attends, je vais regarder quelque chose, puisque ça ne marche pas. Attends, on va désactiver tout ça. Parce que tu vois, c'est censé afficher des choses. Mais aujourd'hui, il a pas envie de fonctionner. Voilà, normalement, ça ne devrait plus apparaître. Ouais, moi, je vois ici sur mon rendu... voilà, c'est bon, ça n'apparaît plus. Je sais pas pourquoi ça me fait ça, alors que la dernière fois, ça fonctionne. Ah ben oui, ça, les alinéas du direct, Pizzanoui, c'est comme ça. Hein. Enfin, c'est juste des trucs rendus visibles ou pas. Donc, la map Volbus, qu'on pouvait voir, elle est en pleine rénovation. Donc, c'est notamment l'objectif de ce live, c'est de vous montrer petit à petit la rénovation. Donc, la première partie, ça va être consacrée à la gare de Lézy et à ses alentours. Comme ça, et voilà. Donc, si vous avez la moindre question sur l'éditeur OMSI 2, vous pouvez les poser. Donc actuellement, ce qu'on va faire aujourd'hui, eh bien, on va pas faire grand-chose, on va plus poser de la texture, on va commencer un petit peu à améliorer la décoration par-ci, par-là. Alors c'est dommage que je ne sais pas comment est-ce qu'on fait pour augmenter le niveau de l'eau sur l'éditeur, donc voilà. Alors vous pouvez remarquer déjà au son que j'ai supprimé le bloc qui annonce les annonces vocales à la gare, parce qu'apparemment, ça ennuyait certaines personnes parce que ça allait beaucoup trop fort. Oui, c'est vrai que j'ai remarqué que chez certaines personnes,
Le son était un petit peu exagéré, donc voilà. Donc actuellement, le plus gros problème qu'il y a à résoudre sur la map dans l'état actuel des choses, c'est d'essayer de stabiliser la garde de l'ici à 30 FPS, puisque in-game, je tourne à 20 FPS alors que j'ai plutôt un bon PC. De toute façon, la garde de l'ici, ici, elle va être réduite, il y a des quais qui vont sauter, voilà. Alors, comment est-ce qu'on fait pour supprimer un objet sur l'éditeur? Bah, vous cliquez simplement dessus et vous faites delete. Voilà, c'est simple que ça. Alors, moi, je pense que c'est surtout mes trains statiques qui provoquent des ralentissements. D'ailleurs, ils sont très moches, je sais pas pourquoi je les ai gardés. C'est juste pour donner l'impression que c'est des trains de marchandises, quoi. Voilà, comme ça, allez-y, ça fait un petit peu plus gare régionale, ce genre de choses. Alors, par contre, je sais plus du tout la texture que j'ai mis pour faire les briques ici. Ouais, c'est vrai que j'avais pensé faire un genre de petit parc comme ça. Un parc qu'on pourrait prolonger encore un petit peu par là. Alors, je sais pas si vous voyez mon curseur de souris, hein. Profitez-en pour me dire si au niveau de la musique de fond ça vous paraît pas trop fort. Normalement ça va. Ça va un petit peu trop fort. Voilà. Ce serait bien du shooter entre les rails. Oui, c'est la texture qu'on utilise. Ouais, mais en même temps je suis en train de regarder des vidéos sur YouTube aussi. Du shooter entre les rails. Alors, pour mettre du shooter, bah, c'est très simple. Vous allez sur Terrain. Ouais, t'inquiète. Oui, je sais ce que c'est, t'inquiète pas. C'est pas que de la peinture au sol, c'est aussi ce qu'on utilise pour mettre sur les routes de campagne. On va mettre en 6. Voilà, on met du shooter ici. Donc, voilà, vous cliquez sur Paint on Layer. Shooter, voilà. Enfin, shooter, scotter. Non, c'est pas celle-là que je veux. J'en ai tellement de textures sur cette map. Ah, voilà. Ça fait déjà un peu plus texture de rail. Voilà, si c'est bien. Mais bien sûr que ça rendra bien. Alors, je sais que normalement je devrais mettre des poteaux de caténaire, mais malheureusement j'en trouve pas qui sont suffisamment bien. Après, je vous dis honnêtement, la partie qui va être la plus longue à rénover sur la map, c'est notamment la gare des alentours. Parce que. On sera des trains diesel alors, lol. Ah, c'est clair, ça fait un peu plaisir à notre ami Greta, hein, ça c'est sûr. Hein. Alors, je suis désolé pour les gens qui ne voient pas le chat. Pour ceux qui voient la rediffusion sur YouTube, il y a un bug de Twitch qui fait que j'ai dû temporairement couper tous les petits liens que j'avais mis dans OBS pour configurer, pour qu'on voit. Enfin, que les gens voient bien ce qui se passe sur le chat en direct, pour éviter à chaque fois, enfin, pour ceux qui sont en vue cinéma sur Twitch, ou en plein écran. Alors, on a gardé le tram, bien sûr, hein, ce qu'il est. Voilà, on a gardé le petit tram, ici. Ça, par contre, ça ne bougera pas dans la version rénovée, puisqu'il y aura toujours un tram, mais il sera beaucoup plus court, il aura un trajet beaucoup plus court, voilà. Pour l'instant, il y a, je crois, 4 ou 5 stations au moins sous le tram dans la version rénovée. Ce qui permettra d'augmenter la fréquence sur la ligne. C'est vrai que je devrais prolonger un petit peu le rail par ici. Alors, il y a beaucoup de gens qui demandent comment est-ce que tu fais pour prolonger les splines. Bah, c'est simple, tu cliques dessus. Ici, tu as plusieurs onglets. Donc, Rod, c'est la rotation. Length, c'est la longueur. Angle, c'est l'angle. Radius, c'est 140. Alors, ici, tu as la partie consacrée pour les pentes. Gradient Star, ça c'est pour monter. Gradient End, c'est pour descendre. Donc voilà, là on va remettre un angle de 0. Pourquoi tu veux pas? Non, je veux que tu remettes un angle comme ça. Bon, ça évidemment, on n'a plus besoin de les garder. Ça c'est des vieux objets qui ne sont plus d'actualité. C'était pour le tram avant, parce que avant le tram, si vous voulez, il faisait comme ça. La gare, elle est là, mais le tram, il faisait comme ça, il partait comme ça. D'ailleurs, il y a encore les anciens rails, d'ailleurs. Enfin, maintenant, il passe directement devant ce qui sert, je veux dire, de grande école sur la map, en fait. Donc, ça sert plus à rien de garder certains objets qui sont là, quoi. Oui, c'est vrai que les champs sont pas très jolis, hein. Ça, je vais pas. Pas le cacher.
Bon, ça, on corrigera au fur et à mesure des mises à, de la rénovation. Ouais, de mise à jour, c'est pareil. Ah, j'ai pas mis un shooter là-dessus. Alors, pour ceux qui se poseraient la question, est-ce que ce sera une grande gare routière? Non, comme vous voyez ici, ce ne sera pas une grosse gare routière. Elle sera même beaucoup plus petite que l'ancienne. Puisqu'ici, on aura trois quais normalement dans la rénovation. Il y aura des lignes en moins qui sont prévues. Là où dans la dernière version, on était à, je crois, 10 lignes jouables. Là, dans la nouvelle version, on va tomber à vers 8 ou 9 lignes. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait des lignes doublons, si vous voulez. Et donc, en fait, le truc, c'est que j'ai déjà prévu à quoi va ressembler le nouveau réseau avec les lignes restructurées et tout ça. Mais il ne me reste plus qu'à améliorer la décoration à gauche à droite. Là, voilà, je vous dis honnêtement, ce qu'on voit ici à la gare de Lézy, j'ai pris environ un après-midi à faire. Donc ça va, je. Par contre, la partie qui est la plus difficile, d'après moi, c'est mon avis, évidemment, il y a des trucs qui sont plus difficiles, c'est de faire tous les raccordements en Indy Street comme ça. Hein. Ça, c'est ce qui vous prend le plus de temps parce que vous devez bien trouver le bon angle précis. Sinon, Omzi ne veut pas vous faire les raccordements, ce genre de choses. Voilà. Donc, je crois qu'un bus articulé devrait passer sans problème là. Ouais, ça va, il y a un peu de marche. Alors, je sais qu'on veut toujours des coins étroits, mais bon. Ça va quoi. Un articulé passe sans trop de problèmes parce que normalement, il y aura dans l'avenir, il y aura des lignes ici. Notamment. En fait, pour l'instant, en termes de lignes, dans les immeubles, il y aura une circulaire qui fait le tour de la ville dans le sens aller et une circulaire dans l'autre sens. Donc, je sais pas comment je vais appeler ça, des citadines, des rotondes, je sais pas encore comment je vais le terme que je vais choisir. De toute façon, la map n'est pas encore rénovée, donc voilà. Alors, ici, je sais pas trop, je vous dis, je vais peut-être faire un parc, il faut que je trouve une texture de parc qui me paraît bien. Gracamas, est-ce que ça recouvre? Ah, bah non, ça ne recouvre pas, bien sûr. Il faudrait trouver une texture blanche. La texture verte ainsi, c'est pas très joli. Peut-être pas trouver ça dans les terrains spleen. Ah, les terrains spleen, je vous assure, c'est la vie hein, quand vous devez mettre des textures sur Homsia. Hein. Il y a des maps, il y a pratiquement que ça. Hein. Comme Spitter, comme comment ça s'appelle déjà? Un parking juste à côté de la gare. Ben regarde. Le but, tu vois, à la base, c'est réservé que pour les bus et taxis, si tu veux. Voilà, donc en fait, ici je t'explique. Ici, ce sera un quai de pause pour le bus. Alors, ça va te paraître bizarre, mais j'ai testé avec un articulé. Ben, il n'y a pas de problème. L'articulé, il passe sans aucun problème et il spawn sans problème. La petite originalité, ici, la nouvelle entrée de la gare de Lézy, c'est ça, regarde. En fait, c'est réservé que au bus. D'ailleurs, il faudrait que je pense à mettre un panneau indiqué au bus. Je sais pas si j'en ai un d'ailleurs. Parking relais, bof, c'est un projet, mais ça sera un petit peu plus loin sur la map, tu vois. Disons qu'actuellement, dans les projets que j'ai pour la map, près de l'hôpital, près de l'arrêt hôpital, bah, ça va être un arrêt, tu vois. Ça fait aussi bien parking relais que parking pour l'hôpital, tu vois, c'est multifonction, c'est génial. Ouais, t'inquiète pas, il y aura un parking relais, normalement, il y aura une ligne qui fera terminus juste devant l'hôpital, et qui, après, elle va repartir vers un autre terminus, je sais pas encore où, donc. Enfin. Il y a tellement de possibilités que tu sais pas par où commencer, quoi. Mais pour l'instant, le parking relais, je vais noter ça quelque part, mais voilà. Et en ce moment, je me concentre sur la rénovation des alentours de la gare de Lézy. Ça, c'est très moche. Le petit parking là sur le côté, c'est pas mal. Alors, je vous dis, les bus partent. Je vais vous expliquer comment ça sort parce que. Les bus, ils sortent pas par là. Hein. Les bus, ils sortent comme ça. Faut prendre bien large comme ça. Parce que les camions, ils viennent comme ça, ils repartent comme ça. C'est la petite originalité de l'entrée-sortie sur la map, en fait. Ça va être remplacé par des maisons. Après, vous n'êtes pas obligé forcément de mettre des Indy Street partout sur la map. Il hein. Y a des maps comme Yulingen. Ils ont quelques Indy Street. Et beaucoup de Simple Street, donc les Simple Street, c'est les c'est les comment c'est les spleens comme ça, les Simple Street et les Invis, c'est comme on a ici. Vous voyez les petits trucs blancs, là, ça s'appelle des Invis Street. Après, il faudrait que je trouve des idées pour décorer la sortie ici. Alors, excusez-moi, vous entendez des bruits de fond parce que c'est un petit peu le bordel chez moi. Je sais pas si vous entendez, mais je pense pas. Non, j'ai.
J'ai quand même un bon micro qui isole bien du bruit, donc bon, ça va être viré. Ah, sinon, oui, une esplanade, ça peut être bien. C'est quoi encore ça, une esplanade? Les invis, c'est joli. Ouais, mais le truc avec les invis, c'est que quand tu dois faire des carrefours, t'as envie de te tirer une balle dans la tête parce que c'est tellement le bordel pour tout raccorder ensemble que après, t'es pas obligé d'en mettre partout des invis, hein. Voilà. Peut-être plus joli parce que ça te permet de modéliser la map un petit peu comme tu veux. Là, oui, je suis d'accord, mais. Mais voilà. Une placette avec des fleurs. Ouais, c'est vrai qu'à la rigueur, je pourrais peut-être mettre des fleurs ici. C'est tout le long, comme ça, tu mets des fleurs. Ah, un résidu de barrière qui était oublié. Savez, même sur les grandes maps super décorées, ça arrive parfois que l'auteur, il oublie un objet qu'il s'est perdu sur la map. Hein, c'est possible. Il y a des auteurs qui testent des objets et ils se rendent compte qu'ils les oublient après. Qu'il les a sur la map. Mettre un peu plus de lampes quand même. Alors pour la petite info, pour le bâtiment Quick, j'ai eu l'autorisation du créateur d'Horizon 16. Hein. Voilà, comme ça pour ceux qui se poseraient la question. Ouais, mais ça ressemble à celui qui est sur Horizon 16. Oh, j'ai l'autorisation du créateur, hein. Voilà, je vous rassure. Et les bâtiments là, ça vient d'un pack d'objets gratuits de. Comment il s'appelle déjà? Matwar 29, quelque chose comme ça. Sauf que c'est quelqu'un comme ça qui proposait gratuitement ses objets sur Steam. Il y a. Les bâtiments n'ont pas chargé. Ah bah si, ça a chargé. Je pensais qu'il n'avait pas chargé. Ouais, ici on peut faire genre un parking. Ce serait pas mal. Park Platz, on avait un 4 avec des textures légèrement différentes. Park Platz 2. Ouais, en rouge, c'est pas mal. Enfin, moi je trouve ça pas mal. N'hésitez pas, hein, si vous souhaitez intervenir directement dans le Discord, discuter avec moi, poser vos questions. Si vous êtes dans mon Discord officiel, ben voilà, j'ai fait un channel pour ça, un channel vocal qui s'appelle Réaction Stream. Je devrais peut-être le renommer en live d'ailleurs, mais enfin bon, c'est le même principe. Dites-moi si la musique que j'ai mis en fond n'est pas trop forte ou pas trop faible. Alors c'est des musiques libres de droit évidemment pour YouTube, hein, voilà. J'ai pas envie d'avoir des problèmes. Surtout que j'ai pas les moyens de me payer en ce moment, ce genre de choses. Quoi, plein d'exclamations Discord. Ouais, genre tu fais un petit parking devant les maisons, c'est pas mal comme ça. Allez, maintenant on va s'amuser un peu. On va chercher un petit spleen de Yuffa. Yuffa fait toujours des chouettes trucs. On n'a pas de lien pour le Discord. Regarde un petit peu en dessous de ton écran sur le stream. En dessous de ce que tu es en train de regarder sur Twitch. Normalement, tu vas avoir un lien. Attends, je vais te mettre le lien direct. On t'entend bien, je trouve. Bah, c'est nickel. Alors, je parlais par contre de la musique de fond, hein. Ouais, bon, je corrigerai ça un petit peu plus tard. Normalement, en dessous de la fenêtre de stream. Vous allez voir un truc qui s'appelle mon Discord. Vous cliquez dessus, ça va vous rediriger vers une invite Discord et vous acceptez. Un petit instant, je reviens. Excusez-moi, ce sont des choses qui arrivent. On est toujours interrompu par quelqu'un qui vous pose une question toute conne en plus. Voilà, ce sont des choses qui arrivent, c'est direct. C'est comme ça. Voilà. On va mettre quoi comme maison? Bah, on peut mettre des maisons aussi, si c'est pas mal. Faut pas croire, même Volbus qui a l'air d'être bâclé, ça m'a quand même pris un an pour faire la map. Donc, ben je sais qu'un an c'est complètement ridicule par rapport à d'autres maps. Là où sur Express on a plus de 2 ans de boulot, et le cas de la map, comment elle s'appelle déjà? La map de Sydney, là on est à 7 ans de boulot, je crois, mais la map elle est juste dingue. Mais il faut un très bon PC par contre pour la faire tourner, c'est ça le problème. Alors je sais pas si vous voyez quand je sélectionne un objet. Normalement, je pense que si. Ben justement, c'est ce que je suis en train de faire pour les maisons d'Odraid. Les maisons qui avec la map, le pack d'objets d'Oberpfalz, c'est pas mal non plus. Oberpfalz, je sais pas comment ça se prononce.
Non, on va pas mettre des wild farms, on va plutôt mettre des maisons quand même assez grosses, parce qu'on est quand même proche d'une gare. Bon, théoriquement, c'est plus une gare de campagne. Ah, voilà, c'est pas les mêmes maisons. On va mettre genre des petites poubelles, c'est bien. Express et sincèrement, ça fait 5 ans. Ben putain, quelle patience! C'est des gens qui ont beaucoup de temps à consacrer à leur projet, ça se voit. Ouh là, la maison sont pas bien alignées. Attendez, je vais vérifier parce qu'il y a un truc qui me chiffonne. Mais après, comme on dit, plus ça dure longtemps, mieux c'est. Donc bon. Je peux déjà vous dire qu'ici, par rapport à l'ancienne version de Volpus, j'ai décidé de supprimer la partie de ces grands qui était la partie la plus dégueulasse de la map. Hein, je vous dis clairement, comme je le pense. Jusqu'à aujourd'hui, sincèrement, on n'est jamais sorti comparé à Volpus. Bah oui, c'est normal, hein. La map est beaucoup plus travaillée que Volpus, tu sais, hein. Mais est-ce qu'elle est mieux optimisée? Ça? C'est bien beau de faire des maps qui sont très décorées, mais. Si on. Oula, j'ai mis 3 fois les mêmes maisons. Apparemment, ça, c'est un truc qu'il faut éviter, de mettre 3 fois le même type de maison. Alors, j'ai aucune info pour la sortie de Saint-Servant, honnêtement. C'est marrant comment les gens sont tellement plus réactifs quand je stream en semaine que le dimanche. J'ai pas plus d'infos pour la sortie de Saint-Servant, donc. Après, rien n'empêche sur ma map de combiner des Invis avec des Simple Street, hein. Oui, enfin, t'as quand même fait du bon taf sur Volbus. Ben, on espère que Saint-Servant soit bien opti. Ouais, on verra, hein. Écoute. Ben, en fait, si tu veux, Pizza. Non, c'est pas Pizza, non, excuse-moi, je me suis trompé, j'ai lu le commentaire au-dessus. Winter Gaming FR, eh bien, en fait, je crois que les gens sont un petit peu plus actifs la semaine, en fait. Parce que généralement, les fois où je streamais le dimanche, il y avait 4 ou 5 personnes en moyenne. Mais les streams où tu fais du mapping intéressent beaucoup plus de gens. Oula, c'est quoi ces textures blanches là? Ah, c'est le bâtiment qui est comme ça. Mais c'est chelou le bâtiment qui réagit comme ça. Bah écoutez, on va tricher un petit peu, voilà. Bon, ça, je pense pas que ça se fait sur les autres maps. Voilà. Mais on va dire que. Voilà. On va tricher un petit peu, hein. Histoire que ça fait pas des textures blanches. Voilà, on va tricher un peu. Oh, ça donne l'impression, vous savez, d'une petite place comme ça. Peut-être essayer de trouver un son de gens qui marchent comme ça. Bah, c'est bien. Ils ont un petit quick, ils sont en face de la gare. Ils ont la petite agence Volpus pour aller acheter le ticket ou l'abonnement. Ouais, ils sont bien les gens. Des lignes circulaires sur ta map seraient intéressantes. Oui, t'inquiète pas, c'est prévu. Il y en aura au moins 3 lignes circulaires sur la map dans la nouvelle version. Au moins 3. Il y aura déjà les 2 circulaires de Lazy, puisqu'elles vont faire tout le tour de Lazy même. Et il y en a une qui va faire le tour dans une cité à côté. Ah oui, je pense. Voilà, comme ça tu sais qu'il y aura des circulaires. Au moins c'est bien, les circulaires, c'est facile à programmer. Ça qui est bien. Même si Omzi apparemment n'aime pas trop les circulaires, il y a parfois des bugs avec. Je vais prendre un stock 7 alors. Bah, je sais pas encore pour la fréquence. On n'est pas encore à la programmation des lignes de toute façon donc. Puisque je vais dire. Moi je pense plutôt que ce sera pas des BHNS, mais je vais plus appeler ça des LHNS, tu vois. Des lignes à haut niveau de service. Ah merde. Pourquoi je dis ligne au niveau de service? Parce qu'il n'y aura pas de voie propre, tu vois. Parce que je ne sais pas du tout faire des voies propres sur OMSI 2. Et puis, le caractère de la map ne justifie pas les voies propres parce que c'est. On est plus sur une map un peu plus campagnarde que urbaine, tu vois. Attends, c'est moi ou c'est le même bâtiment? Ah bah non, c'est pas le même bâtiment. Ah bah si. Que penses-tu du futur jeu The Bus? Ben, je sais pas, on verra ce que ça donne. Ça fait déjà un moment qu'on l'attend, celui-là. Donc, on verra bien un petit peu comment ça rend. Voilà.
Une ou des lignes de nuit prévues. Alors oui, il y aura des lignes de nuit qui sont prévues. Il y aura déjà au moins deux lignes rien que dans le centre de Lézy. Peut-être une troisième qui va se perdre un petit peu dans les faubourgs, tu vois. Peut-être voir une quatrième. Il y aura une ligne qui fera un petit peu l'autoroute. Bon, l'autoroute, je sais pas si on peut appeler ça une autoroute ce qu'on a sur Volbus, mais voilà. Là, il faut mettre encore 2-3 maisons, sinon ça fait un peu vide. Alors, ce que je peux déjà vous dire sur la map, c'est que la map va être moins lourde que la première version. Puisqu'ici, j'ai supprimé toute une zone de la map, la zone de Ségrand qui était archi buggée. Maintenant, on n'a plus de ligne 9. La ligne a été supprimée. Il n'y a plus la future ligne S3, donc le scolaire 3, ça va être limité à Timéon. La ligne 13, je ne sais pas encore comment je vais m'organiser là-dessus. Voilà, bref, il va y avoir tellement de changements, vous n'allez rien comprendre. Tu devrais supprimer un ou deux bâtiments que tu viens de rajouter, non? Pour qu'on ait une vue sur la place et que ça fasse plus aéré. De quel bâtiment tu parles? Ah, peut-être supprimer celui-là. Après, je vous dis, je ne suis pas non plus le gars le plus doué en mapping. Il y a des gens plus talentueux que moi. Hein. C'est quoi ça comme. Je ne suis pas fan des lignes circulant sur l'autoroute, mais il en faut pour tout le monde. Ouais, c'est vrai. Mais il y aura une future ligne. Ça va être un petit peu d'urbain et un petit peu. Ça va être un mélange des deux, tu vois. Bon, elle sera pas très longue, mais ce sera un petit mélange des deux. Ah, tu trouves que c'est plus joli comme ça? Ouais, pourquoi pas. Et genre ici, tu mets genre des petits bacs à fleurs comme ça, sous le côté. Sur une map, tu fais comment pour savoir le temps de parcours où tu l'as créé? Ben en fait, la meilleure partie, c'est tu vois, tu sais ce que tu fais. Tu prends le bloc-notes et tu roules normalement en prenant en compte le feu rouge. Par exemple, tu pars à 12h20 d'un arrêt, tu arrives à l'autre arrêt, tu regardes l'heure que tu as. Donc par exemple, si tu pars de l'arrêt gare à 10h20 et que tu arrives à un arrêt qui s'appelle hôpital, qui est l'arrêt d'après, tu regardes l'horaire que tu regardes l'heure que tu as, c'est 10h22. Voilà. Tu as 2 minutes de temps de parcours entre deux arrêts. Voilà. Tu as le temps qu'il faut pour faire deux arrêts comme ça. En fait, il faut vraiment, comme je dis, il faut que tu roules entre les arrêts pour que tu puisses te faire un avis. Alors évidemment, moi, les horaires sur Volbus, ils sont légèrement optimistes. Quand tu regardes les temps de parcours sur Volbus dans la version actuelle, j'ai compté un tout petit peu plus de temps de parcours que nécessaire. J'ai ajouté quoi, genre 30 secondes de plus, tu vois, avec les feux rouges, tout ça, tout ça. On sait jamais. Ah ouais, ici on peut mettre des fleurs. C'est toujours joli les fleurs. D'ailleurs, si vous souhaitez voir à quoi ressemble l'ancienne version, la version actuelle, elle est toujours sur le site. Hein. Il y a la page téléchargement qui est un vrai bordel parce que c'est en cours de réorganisation. Mais j'ai mis un lien vers le dossier méga où vous allez pouvoir trouver tous les éléments. Donc, il n'y a pas de souci. Et mettre des piétons en statique pour rendre la place attractive. Oui, bien sûr, mais le truc, tu vois, c'est que ça a l'air de consommer un peu de ressources dans certains PC. Donc les pitons statiques, je crois que c'est chez Waldeni, si je dis pas de conneries. Attends, une minute, parce que vous êtes 50 000 à envoyer des commentaires là. Les gens sur YouTube doivent dire, mais qu'est-ce qu'il raconte, et comment s'il parle tout seul? Comment est-ce qu'on voit les commentaires qu'il lit? Oui, c'est mieux, des bacs à fleurs et des bancs. Ouais, bien sûr. Ça va arriver après les blancs, t'inquiète, les blancs. Les bancs après. Chaque chose en son temps. Moi j'aime bien aimer des piétons en statique pour la place attractive. Ouais, bien sûr. Bon, il faut que je trouve c'est où encore qu'on trouve les piétons statiques, mais je crois que c'est ici quelque part. Attends. Tu vas mettre le Volvo 7700A. On verra bien. C'est vrai que c'est un bus que j'aime beaucoup, mais on verra bien un petit peu comment je vais m'organiser. Ah bah voilà, piétons statiques. C'est quoi ça? C'est un chalet? C'est un chalet de Noël ce truc? Ah ouais? À la place du coin de Ségrand, tu vas faire quoi? Bah il n'y aura plus rien. Voilà. Ségrand, vous pouvez l'oublier parce qu'il n'y aura plus rien dans cette zone-là. La ligne 9 qui était archi buggée dans la dernière version que personne n'arrivait à faire. Donc voilà, il n'y en aura plus. Après, je vous dis, c'est pas une map urbaine comme Marseille, donc vous attendez pas à des voies propres parce que le caractère de la map ne s'y prêtera pas trop. Voilà, je vous dis tout de suite.
C'est pas non plus une map extra interurbaine. Disons que c'est plus une map où vous allez de localité en localité, voyez-vous. Je veux dire, la plus grande localité sur la map, c'est les îles, lorsqu'on est actuellement. Bon, c'est pas une grosse localité qui est très étendue, mais j'ai presque envie de dire c'est le point central du réseau. Je dois avouer quand même que ce concept où vous rentrez en sens unique et vous repartez en sens unique, c'est original. Je sais pas, l'idée m'est venue comme ça. Je pensais que Homzy avait créé un calculateur automatique. Ben non, malheureusement, ça on n'a pas sur Homzy 2 ça. Ou alors peut-être qu'un Allemand a sorti un logiciel qui permet de faire ça, mais. J'ai déjà commencé à faire les petits parkings, alors généralement je vais dans Youfa. Alors si je vais un petit peu trop vite pour que vous compreniez pas, dites-le moi. Il y a beaucoup d'objets et de spline à télécharger pour ta map. Ouais quand même, il y a quand même pas mal d'objets mine de rien. Après, je te rassure tout de suite, c'est pas une map comme la fameuse map Vlitbur qui fait plus de 15 gigas d'éléments à télécharger, ça n'a aucun sens. Où situera avec ses 8 gigas d'objets et de spline. Voilà. Je vais dire. Comment? On tourne autour de 4 à 5 gigas de scénarii et d'objets réunis, tu vois. Je dirais que la map doit faire dans les 8 gigas une fois qu'elle est complètement installée. Voilà. Dans la nouvelle version, j'espère m'éclater autant qu'avec ton ancienne. Bah, normalement, tu vas trouver plus de plaisir, je pense. Tu as prévu une fréquence pour tes lives. Je ne sais pas encore vous dire exactement la fréquence que je vais faire pour les lives. Alors, généralement, j'avais dit au début que j'en ferai un par semaine le dimanche, de 21h à 23h. Mais compte tenu du fait qu'en ce moment, je suis quelqu'un qui est quand même très occupé dans ma vie privée, je ne sais pas vous dire exactement quand est-ce qu'il y aura un live. De toute façon, vous serez toujours prévenu au maximum un quart d'heure, 20 minutes avant que commence la diffusion. Comme ça, vous n'aurez pas de surprise. Je serai prévenu sur YouTube, sur Discord, sur Facebook. Voilà. Vous allez pouvoir être mis au courant de toutes les manières possibles. Et je crois d'ailleurs que sur Twitter aussi, vous avez une notif quand il y a un stream qui commence. Ouais, je crois que c'est ça. Si tu rases, c'est chiant, ça modifie toutes les textures. Ah bon? Enfin, moi personnellement, j'avais testé une fois la map, mais je trouve ça m'avait pas trop modifié. J'ai eu un ciel gris constamment et des routes rouges. Ah oui, quand même. Parce que suivre l'avancée de la map est une chose intéressante à faire. Oui, bien sûr. Comme ça, vous apprenez, on apprend aussi des choses sur comment les créateurs font ça, font ci. Et puis comme ça, vous allez pouvoir poser vos questions en temps réel sur la map, comme ça, tranquille, installé derrière votre écran, voilà. Parce que j'ai vu quand même que c'est quelque chose qui était extrêmement demandé, ça, sur par rapport à Homzy, des gens qui voulaient des youtubeurs qui font des streams sur les ma Lop, je sais plus parler, c'est incroyable. C'était très demandé, ça. J'ai eu énormément de personnes qui m'ont demandé de faire des streams sur l'éditeur. Je suis en train de regarder c'est quoi la texture qui correspond le mieux. Youfa a fait tellement de chouettes trucs pour la communauté, c'est incroyable. Ouais, c'est vrai, je pourrais mettre une piste cyclable maintenant que j'y pense. Mais ça ferait que la route serait hyper étroite alors. Ouais. On va peut-être mettre une piste cyclable sur les trottoirs. Enfin, je sais pas, parce que je connais des endroits en Belgique, la piste cyclable c'est sous le trottoir, donc. Je sais pas, j'aime pas trop. Je sais qu'en Flandre on a des textures de pistes cyclables comme ça. Alors, par contre, je vais vous montrer, moi j'ai un gros problème avec l'éditeur, c'est que moi, quand je veux mettre des chiffres ici, par exemple, on va taper 2, vous voyez? Je tape 2, mais il veut pas me valider le 2, je sais pas pourquoi. J'ai trouvé une astuce, je passe pas le bloc-notes, je tape mon chiffre, 2 ici, voilà. Et là, pour une raison que j'ignore, il veut bien le modifier. Je sais pas pourquoi. Alors je pense pas que c'est comme ça qu'on met une piste cyclable, mais j'ai déjà vu des pistes cyclables comme ça. Oui, je vous assure. En Belgique, du côté des Flamands, on a des pistes cyclables qui sont sous le trottoir. Je crois qu'il y a des coins en Wallonie, c'est comme ça aussi. Les trottoirs sont larges. Oh. Disons que je suis quelqu'un qui aime bien prévoir un peu de marche. Ouais, ça c'est un autre truc chiant, c'est quand il faut vraiment calculer la hauteur précise du trottoir. C'est à peu près ici, je crois. Alors les outils pratiques, c'est vrai qu'on m'en a demandé beaucoup et que ça a aidé pas mal de gens, mais bon, j'en referai quand j'aurai l'occasion. Regarde en PS Addon, puis Strassen, Markierung, il y a des pistes cyclables plus jolies et plus larges. Bah, il n'y a pas que dans là-dedans, hein. Il y a Addon Creative Street, t'as des chouettes petits trucs aussi. C'était où? Farah Hardwake, un truc comme ça. Regarde.
Dans Simple Street aussi, t'as ça, hein. Mais moi, je trouve par contre, c'est un petit peu trop large, ça. Moi, ça m'a franchement. Une piste cyclable, c'est cool. Ouais, c'est vrai que pour les gens à vélo, c'est pas mal. Mais il faut savoir qu'en Wallonie, les pistes cyclables, c'est. Ils s'en foutent un petit peu des aménagements pour les cyclistes en Wallonie. Donc, en quelque sorte, le fait que Volbus en Wallonie, c'est un peu réaliste. Le fait qu'on n'a pas de piste cyclable, voilà. Il y a des gens qui critiquaient parce qu'il n'y avait pas de piste cyclable. Mais bon, en Wallonie, il y a des endroits où on n'en a pas. Voilà. Donc, c'est pas si réaliste que ça. Les trottoirs sont larges, il y a de la place. Ouais, c'est vrai qu'il y a peut-être moyen de glisser ça. Ah ouais, c'est chaud l'éditeur. Bah non, une fois que tu l'as pris en main, ça va tout seul, t'inquiète pas. Oh non, médium alors. Ouais, médium, ça va, c'est plus raisonnable. Va pas prendre trop gros non plus, parce que sinon. 0 points apparemment. Alors par contre, je vous dis tout de suite, il n'y aura pas de vélo programmé en AI sur la map. Parce que c'est faisable, mais ça a l'air d'être assez compliqué. Enfin, faut pas seulement avoir le DLC à Fun City, il y a d'autres trucs à programmer aussi dans Omzi. Mais parce que pour ceux qui ne le sauraient pas, il y a bel et bien des vélos sur Omzi 2 via le DLC à Fun City. Et avec le DLC de Vienne, on a des motos aussi, si ça vous intéresse, hein. C'est un angle de combien ça? Là, c'est la partie la plus amusante quand on vous trace des routes comme ça. C'est de calculer l'angle précis, quoi. Là, c'est la partie, je vais dire, la plus ennuyante quand vous faites du mapping sur Omzi. Voilà. C'est pour ça qu'il faut un cocher miroir pour le spline. Pourquoi ça fait quoi? Écoute, même moi, je dis, je suis pas un pro l'éditeur, mais je me débrouille suffisamment pour. On en apprend tous les jours, tu sais, pour que le picto soit dans le bon sens. Ben regarde, quand tu viens de par là, tu vois dans le bon sens. De toute façon, les bus, généralement, ils vont rentrer par ici. Regarde, je t'explique, hein. Donc les bus vont rentrer généralement par ici. Regarde, suis mon curseur. Ou. De cette rue comme ça. Ils vont venir soit comme ça, soit comme ça. Voilà. Et pour sortir, ils vont partir comme ça. Soit pour aller à droite, soit pour aller à gauche. Tout simplement. D'ailleurs, je vais peut-être changer. Je vais mettre hop, route à rundown. All. Voilà, comme ça, c'est pour dire que toutes les lignes vont par là. Ben, c'est vrai que tout de suite, tu mets une piste cyclable, c'est tout de suite plus joli, c'est fou. Pour que le picto soit dans le bon sens. Bah, je vous montre ce que ça donne, mais. Voilà, comme ça, vous savez à quoi ça sert la fonction miroir. Ça vous permet de mettre le pictogramme dans le bon sens. Bon, personnellement, moi, je ne l'utilise pas. Mais bon. Comme ça, si jamais ça vous intéresse pour mettre les choses dans le bon sens. Ça m'a l'air d'être bon, comment que ça? Évidemment, après, il faut jouer avec les degrés. Ça, c'est la partie, je vais dire, la plus longue à faire. Là, voyez-vous, c'est un nom qui est un petit peu trop. C'est pour ça que je vous dis, quand vous voulez faire une map sur Omis 2, il faut être patient. Ça se fait pas comme ça en claquant des doigts. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent ce qu'on fait. Ils disent, ouais, mais moi je sais faire les maps, t'as vu, c'est trop simple. Ouais. Je suis sûr, je lui donne l'éditeur. Au bout d'une heure, il abandonne déjà son projet. Y a des gens, je vous jure, ils critiquent, ça critique, mais. Regarde l'angle des spins que t'as posé pour te donner une idée. Oui, c'est vrai, je peux faire comme ça. C'est vrai. Ouais, bon, ça va, c'est plus ou moins aligné, quand même. Après, j'aime net mettre des petites barrières, comme ça, pour empêcher les gens de se garer. Je sais pas si je vais laisser les barrières, puisque théoriquement, il y a des voitures qui vont être garées devant, donc je sais pas si c'est une bonne idée. Donc. Tout ce que tu peux nous donner comme info avec ton expérience est très bon à prendre. Oui, bien sûr, mais tu sais,
Même moi, je suis pas non plus le gars qui s'y connaît à fond sur MZ 2. Je connais pas mal de choses, mais il y a des gens qui sont beaucoup plus talentueux dans le mapping et dans le modding, tu vois. Voilà. Disons que je connais suffisamment pour me débrouiller et pour aider les gens qui débutent. C'est qu'il est cet objet. Voilà. Je pense que. Voilà, on va mettre des petites barrières pour empêcher les gens de se garer. Je sais plus ce que j'avais trouvé. Ah oui, j'ai oublié de mettre un passage piéton. Quel idiot. Là, il faut penser à tellement de choses quand on fait des maps. Asphalte. Ouais, ça c'est pour mettre le passage piéton. Moi personnellement, je vous recommande de prendre les Zebra Strafen. Ça, vous avez déjà des passages piétons qui sont déjà faits, qui sont jolis. On prolonge un petit peu la spline. Oui, je sais, c'est chiant de faire les retours en menu démarrer, mais je sais pas pourquoi. On me dit qu'il veut pas prendre les chiffres directement. Voilà. Un petit passage piéton, pas piquer des hannetons. Oui, bien sûr qu'il y aura toujours des personnes qui critiqueront. Ça. C'est de la même couleur que les places de parking, c'est amusant ça. Après, il y a des personnes qui vont faire des maps en full Envy Street. C'est vrai que les Envy Street, ça permet de faire un petit peu ce qu'on veut. Ça, je ne dis pas le contraire. Mais bon, je connais des maps qui ont eu un grand succès, comme enfin, grand succès, c'est relatif. Je sais par exemple une map qui s'appelle Dueling Gun. Vous pouvez regarder, il y a beaucoup, beaucoup de Simple Street. Hein. Pourtant, ça n'empêche pas que la map est très agréable à faire. Hein. Voilà. Nos amis allemands l'ont bien compris. C'est pas parce que vous faites une map 100% de vie street que c'est bien, quoi. Et puis. Mais tu t'en fous des autres du moment que ça te plaise à toi. Oui, c'est vrai, je pensais de la même chose que toi. Mais tu sais, quand tu n'arrêtes pas de recevoir des gens qui n'arrêtent pas de critiquer à longueur de journée et qui t'expliquent même pas pourquoi ça critique, qui critiquent gratuitement comme ça, t'es démoralisé, quoi. Contrairement à ce qu'on peut faire tourner comme rumeur à mon sujet, j'essaie de quand même prendre en compte les remarques qu'on me fait, tu vois. Contrairement à ce que ma réputation chez certains pourrait faire croire. Ouais, c'est plus ou moins aligné. Hein. Voilà. Je vous assure, il y a des maps où c'est pareil. Hein. L'auteur, pour lui, ça a l'air plus ou moins aligné, donc voilà. Quand on voit qu'il y a certaines maps comme Rur. Où il y a des endroits où c'est un petit peu bâclé et on ose vendre ça 36 euros, pas 35 je crois. La map, elle est comme elle est, si ça plaît pas tant pis. Ouais bien sûr. N'empêche je sais pas si je l'ai déjà dit au début de la vidéo, mais au début, quand j'avais... Je m'attendais pas à avoir beaucoup de téléchargements, tu vois, je m'attendais à avoir genre 300 téléchargements à peu près. Ouais, ça me paraissait bien. Bah, j'en ai eu plus que ça sur MD Web Disc. Je suis monté à 1700. Moi, personnellement, je suis content. Voilà. Je suis content quand même que, même si elle n'a pas le succès de maps comme Alheim, Wizenburg et tout ça, je suis content quand même du résultat. Je trouve ça honnête. Pour un nouveau venu dans la communauté, enfin, pour une nouvelle map comme ça, surtout une map qui sort des maps allemandes. Oh là, il va falloir que je bouge un peu l'angle parce que là, ça part en cacahuète. Ouais bon, en vrai aussi, il y a des pistes cyclables qui sont mis un petit peu n'importe comment, hein. On va pas se mentir, hein. Et là, genre, vous voyez, vous faites un petit parking comme ça pour rétrécir la route. On pourrait pas bien mettre des poubelles, hein. Il faut que je mette plus d'éclairage aussi. On va mettre vert parce que c'est les couleurs de Volbus, le vert. Ah oui aussi, la livrée Volbus aussi on m'a critiqué parce qu'elle était trop simple aussi. Mais bon, je m'y attendais de toute façon. Ah, non, il faut mettre un alors, parce qu'à 2, si tu mets à 2, ça monte trop. Non, 0,5, ouais, décidément. Après, au moins, on peut pas reprocher au fait que la livrée Voltus soit originale. Des couleurs vertes comme ça, des couleurs bien flashy comme ça, qui montre bien que la société, c'est des bus, c'est pas autre chose.
Avec une petite poubelle, comme ça, c'est pas mal. Ah, par contre, je vous dis tout de suite, les pistes cyclables, il n'y en aura qu'en ville. Hein. Il n'y en aura pas sur les pentes parce que c'est une galère à faire des pistes cyclables sur des pentes. Enfin, vous verrez quand je ferai un autre stream, quand on attaquera une autre partie de la map, je vous assure, vous allez vous tirer les cheveux. Ah, bah, c'est déjà pas mal, on a déjà fait la petite piste cyclable comme ça qui serpente. Passage piéton. Sais pas. Je vous montre déjà la zone auprès de l'école. Bah moi je trouve quand même que cette zone-là, par contre, enfin, c'est mon avis bien sûr, vous ajoutez une piste cyclable et vous ajoutez un petit peu de parking et ça me paraît pas trop mal quand même. Il y a des gens, tant que je suis ici à vous présenter cette zone de la map, il y a des gens qui m'ont demandé comment ça se passe pour les scolaires sur ta map, Tecmons. Ben en fait, ici vous avez l'école principale qui s'appelle ITPAL, donc ça veut dire Institut Technique Professionnel Artistique de l'ESI. Ouais, c'est une école qui fait tout si tu veux, hein. Voilà. Comme ça c'est pratique, ça évite d'écrire pendant 50 ans. On a notamment le tram qui fait un arrêt ici. Voilà, ici à mon avis tu mets une petite piste cyclable, tu mets une petite zone de parking comme on va faire après. Voilà. Oui, on sait pourquoi il y en a qui sont chauves au moins. Ah bon? J'ai pas compris ton commentaire en fait. Moi je la trouve bien ta livrée, je te l'ai toujours dit. Mais la livrée Volbus, je pense qu'il y a encore moyen de l'améliorer. Bon, j'ai déjà des petites idées pour l'améliorer. Ici dans le nouveau prototype, j'ai pas changé grand chose dessus. J'ai un petit peu refait l'avant. Bon, j'ai gardé la livrée sur les côtés avec les triangles. J'ai légèrement refait un petit peu l'avant, tu vois. Parce que je trouvais que l'avant était un petit peu bizarre. J'ai refait un petit peu l'arrière. C'est un peu bizarre le trottoir a mis comme ça quand même. Bon écoutez, nous sommes en Belgique, la Belgique est réputée pour avoir des choses qui ne sont pas logiques. Donc vous allez me dire, c'est pas si réaliste que ça. Hein. Voilà, on est dans un pays où c'est pas très logique. C'est pas pour rien qu'on nous sommes le pays qui est le roi du surréalisme. Alors, c'est pas bon pour faire des marquages de route, ça. Non, c'est parce que c'est pas des textures pour faire des trucs de parking, ça. Et évidemment, c'est pas la bonne hauteur. Il faudrait que tu la fasses voir ton nouveau prototype de Volbus. Ah, ça, je la montrerai quand ce sera prêt. Voilà. Oula, un, c'est trop par contre. Ouais, il faut vraiment bien chipoter. Enfin, vous verrez la livrée Volbus légèrement améliorée quand ce sera prêt en fait. Bon, il n'y a pas grand-chose qui change, vous allez me dire donc. Ça, vous verrez, il n'y a pas grand chose qui change sur la livrée, à part 2-3 petites modifications à gauche à droite. Je sais très bien que l'on veut toujours délivrer avec des courbes dans tous les sens. Pourtant, il y a des réseaux, notamment à Vienne, par exemple, où la livrée elle est très simple, c'est juste du rouge avec un peu de blanc. Et regardez comme ils sont magnifiques les bus à Vienne en Autriche, hein, pour ceux qui ne savent pas où ce que c'est. La bordure est un petit peu. Ah, enflure, tu m'as enlevé ma spleen. Ah ouais, effectivement, là, ça part un petit peu en cacahuète. Pas de toute. Ok, on va rentrer en plein sur les places de parking. Ouais. Et s'il faut interdire le trafic autoroutier sur cette zone-là. Alors, comment est-ce qu'on fait? Alors, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on fait pour interdire le trafic sur une zone de la map. En fait, c'est simple. Vous allez ici, No Unscheduled Traffic. Et hop, vous cliquez simplement sur les zones que vous voulez pas qu'un véhicule circule dessus. Ouais, c'est vrai, du coup, ça sert à rien de le garder comme ça alors. Du coup, si les camions vous rentrez comme ça directement sur les places de parking, ça n'a aucun sens, mais bon. Ouais. J'aurai l'occasion de vous reparler des horaires quand on attaquera la programmation des lignes. Hein. Bah, franchement, avec le petit passage piéton, déjà là, ça rend bien. Hein. Bon, maintenant, on va ajouter un petit. Pardon, avec la piste cyclable qui serpente comme ça. C'est presque très fun. Où est-ce qu'il est, lui?
Alors, un petit truc qui est un petit peu énervant avec les passages piétons qui viennent de Zebra Strayphone, c'est que les piétons ont tendance à faire toujours un peu n'importe quoi sur le passage piéton. Il y en a toujours un petit peu trop, en fait, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, vous perdez un temps pas possible aux arrêts, c'est. Je vous dis déjà, il y aura déjà au moins. Allez. Deux lignes qui auront l'itinéraire. Allez. Il y aura peut-être 3 ou 4 lignes qui garderont le même itinéraire que dans la dernière version, mais. Pour tes lignes de nuit, par exemple, tu peux mettre ta livrée Volpus verte et bleue. Moi, je kiffe cette livrée. Pour cette livrée-là, c'est une livrée que j'avais faite un petit peu pour des tests, tu vois, mais je ne l'ai pas gardée parce que je trouve ça un peu étrange. Le fait que rien que pour une ligne de nuit, tu as des bus qui roulent avec une livrée différente, je trouve ça un peu bizarre. Après, c'est vrai que je peux faire un système de sous-traitant, tu vois, qui ne roule que la nuit avec des bus à lui, avec ses propres livrées. C'est vrai que. Mais après, comme je vous dis, le plus gros problème que Volpus a, c'est que le fait qu'à la gare de Lézy, certaines personnes ne dépassent pas le 20 FPS. Voilà, juste ici, il y a des gens qui ne descendent. Oula. Le machin qui n'est pas bien mis sur le quai. Voilà. Là, je constate qu'il y a aussi un problème avec la spline ici. Elle est pas. Pauvre PMR, hein. En même temps, c'est pas comme si en Belgique, les PMR, on en avait quelque chose à faire. Parce que quand vous voyez comment les infrastructures en Belgique sont un petit peu useless, la SNCB qui achète des trains qui sont même pas compatibles PMR, enfin, théoriquement si, mais les PMR ne vont pas aller faire la moitié du train pour trouver une voiture accessible pour eux. Voilà, 2020. Et on n'a toujours pas de train accessible à la SNCB. Enfin, si, mais ils sont tellement occasionnels que voilà. Là. Alors, oui, je sais, la ligne. Ah, bah, je crois qu'il y avait un truc avec le miroir. Attendez. Ah, bah, voilà. Ben, voilà, ça rend tout de suite mieux comme ça. Avec la petite agence, la mobilité Volbus, comme ça en fond, c'est super stylé. Quelle heure est-ce qu'il est actuellement? 22h20. Bon, je crois que je regarde un petit peu plus longtemps le stream. Je pensais faire jusqu'à 22h30, mais j'ai pas fait le programme de ce que je voulais faire, donc on va prolonger un petit peu, quoi. Tu vas jusqu'où, toi, les camions? Jusqu'ici, ouais. Donc, tu la place de parking en plus. Ouais, c'est risqué. Écoutez, on va finir là. Ah, mais vous savez ce qu'on peut faire? Des places pour les taxis. Pas mal, ça. Bon, je sais, c'est très éloigné de la gare, c'est pas logique. Voilà, mais vous allez me dire, à la gare de Lézy, il n'y a pas vraiment de place pour les taxis. Hein. Voilà, jaune, on peut imaginer, bon, c'est très éloigné de la gare, bien sûr, c'est pas logique, que ici, c'est une zone où les gens pourront louer des voitures ou bien garer un taxi, ou ce genre de choses. Est-ce qu'il y a un objet qui s'appelle taxi? Tu peux aller jusque minuit si tu veux. Je sais pas trop si j'irai jusque minuit, honnêtement. Hein. Ok. Non, ça c'est ça vient de Marseille. Non, ça vient d'Horizon, pardon. Je vais pas utiliser un objet qui vient d'une autre map. Moi, je cherche juste un objet où tu peux voir un taxi statique. Taxist N. Non, Taxis Claim. C'est quoi? C'est quoi cet objet? Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, je me doute que tu me taquines. J'ai installé tellement de trucs, moi, dans mon PC, en map et tout ça, c'est un truc de dingue, quoi. J'arrive pas à trouver ce que je cherche. De toute façon, je vais vous dire, tous les créateurs de maps prennent des objets qui viennent d'autres maps, hein. Voilà. N'ayez pas peur d'utiliser des maps qui viennent d'ailleurs. Enfin, des contenus qui viennent d'ailleurs. Pourquoi c'est un objet d'horizon quand je tape taxi? J'ai vu que la ligne 13 a été très populaire sur Volbus. Là, je vous rassure tout de suite, la ligne 13, elle va rester. Bon, elle va peut-être renuméroter. Elle aura un trajet, je vais dire, il y aura peut-être un ou deux arrêts de plus, voyez. Mais bon. Moi, honnêtement, la future ligne 13, j'ai déjà son itinéraire en tête. Donc, elle va normalement faire l'hôpital. Enfin, elle va démarrer de l'hôpital de Lézy où elle fera terminus. Après, elle va remonter sur la grande baie. Enfin, grande baie, je sais pas si vous voyez où ce que c'est pour ceux qui connaissent un peu Volbus. Après, on va faire Abstergo et là, elle reprend son itinéraire comme actuellement. Elle va passer par Archi et après, elle va aller sur Timéon. Donc, Archi, c'est le petit village un peu paumé à l'écart, comme ça.
D'ailleurs, je me demande si j'ai pas plutôt fait en sorte que Archie, ça soit une variante de la 8. Un abri de puce sur les taxis, bah, c'est original ça. Tu viens de quel dossier, toi? Ouvrir l'emplacement du fichier, tu viens d'où, toi? Abri de puce, taxi. Non, non, ça c'est un objet d'horizon. Taxi stand, voilà. Aïe, ça vient de la map Gladbeck, ça. Ah bon? Je n'ai jamais vu cet abribus pour les taxis sur Horizon. Taxi Central, peut-être. Ah oh bah regardez, on va mettre ça à la place. Petit magasin HLM comme ça. Bon, c'est en allemand. Ça aurait été mieux de l'avoir en français, mais écoutez. Ouais, ça apporte un peu de diversité. Ouais, taxi central, normalement c'est pour commander un taxi, mais bon. Peut-être moyen de retexturer ce bâtiment pour mettre autre chose. C'est quoi ça? La ligne 13 en LHNS? Ben le truc c'est que cette ligne-là c'est une ligne de campagne, tu vois. Ça n'a aucun intérêt de la mettre en LHNS. Ouais, ça dépasse un petit peu la piste cyclable quand même. Ah, faut mettre des poubelles maintenant que j'y pense. Des poubelles, des éclairages. Ce qui serait plutôt les HNS, les LHNS, c'est les lignes 1 et 2 dans les IMEM, tu vois. Je sais pas encore à quelle cadence ce sera mis, tu vois. Je pense qu'aux 10 minutes, c'est bien. C'est une principale de la zone de Lézy, donc. Il faut vraiment mettre autre chose pour décorer, c'est vraiment moche. On va piquer quelques arbres. Encore de la musique qui passe en fond ici sur OBS. Ouais, y a quoi de la musique? Voilà, j'ai baissé un petit peu parce que je sais pas si pour vous ça vous paraît un peu fort. Donc, promets-moi l'éditeur, s'il te plaît, merci. Voilà, c'est mieux. Bon, ça, il va peut-être falloir le jarter, comme on dit. Bah, ça rend déjà pas mal, moi je trouve. Bon, il y a encore beaucoup de travaux, ouais. Tu peux encore mettre une piste cyclable ici, tu vas me dire. Là, je ne sais pas ce que moi je vais m'organiser pour mettre là. Les fameux poteaux de limitation de vitesse du tram qui sont complètement moches et qui ressemblent absolument à rien. 30 km/h, hein. D'ailleurs, c'est un objet qui avait fait bugger pas mal de personnes, d'ailleurs. J'ai pas mal de gens qui m'ont demandé que je leur envoie ça. Parce qu'il y a pas... c'est très... un objet qui est très demandé par les gens. Alors que pourtant, j'étais quasiment sûr qu'il était dedans. C'est cette petite fourberie, voilà. C'est cet objet-là que pas mal de gens n'ont pas, alors que pourtant je l'ai mis avec. Alors autant j'ai réussi à mettre la caténaire de tram qui n'est même pas bien mise, qu'on peut constater. Alors voilà, c'est mis un petit peu à la spoule, comme on dit. Mais ça n'empêche pas le tram de fonctionner. Bon, oui, ça aussi, le tram, il y a beaucoup de gens qui me demandent comment ça fonctionne, mais c'est assez compliqué. Les textures qui sont en train de bugger, là, ça n'a aucun sens. Oh là là, je m'écarte ce soir, je sais plus ce que je raconte. Faut vraiment que je trouve un taxi statique. Statique. Taxi, peut-être. Si tu trouves, hein. Là, je pensais que mon PC avait planté, mais non. C'est quoi mon PC? Statique bus, non, c'est pas ça qui m'intéresse. Oh, j'ai des sites aérostatiques. Ça veut dire que j'ai tellement de trucs dans mon PC que statique véhicule. Est-ce qu'il y a quelque chose qui m'intéresse là-dedans? Non, ça c'est pour le tram. Là, comment tu as refait ta gare de Lézy? Moi, je la trouve sympa. Alors, la gare de Lézy, ça m'a pris 4 heures à faire. C'est que des Invis Street. Disons que j'ai laissé un petit peu aller mon imagination, tu vois. Et après, j'ai fait des tests pour voir si avec un articulé, ça passait. Spoiler, là, avec un articulé, ça passe.
Et voilà. Mais il faut bien calculer ton coût, tu vois. Ça passe sans trop de problèmes, mais bon, avec un tribus, ça doit être chaud à passer. Mais bon, ça sert à rien parce qu'il n'y a pas de tribus sur la map. Parce qu'il n'y a pas assez de fréquentation pour. Oh! Oh! Il y a des Volvo 7700 astatiques sur Romzy. Oh, intéressant. C'est intéressant tout ça. Tu peux nous montrer l'objet Citaro statique par curiosité. Ah, vous l'avez vu, hein? J'ai tellement d'objets. Attends, parce qu'il faut le temps qu'il cherche. Je sais plus d'où ce qui vient cet objet. Statique, je crois. Proc-Valbus, non, c'est pas ça. Est-ce que je l'avais vu? Ah, voilà, ici. Au 530 statique véhicule. Je crois que c'est celui-là. Oula, il a l'air bizarrement. On a inventé un bus qui l'évite maintenant, vous avez vu? Après les trains à sustentation magnétique, on a les bus à sustentation magnétique. Hein. Monte un peu. Ouais. Voilà à quoi ça ressemble, l'objet citarostatique pour celui qui me l'a demandé. Je pense pas que c'est des textures pour les trucs de parking, ça quand même. Il est 22h30. Bon, je crois que finalement je vais prolonger. Excusez-moi. J'ai un petit peu malade ces temps-ci. J'ai chopé un rhume donc. Je crois que je vais prolonger encore un petit peu, je pense. Ouais, jusque 20... 23h, c'est bien. Ah oui, sur Express, il y a un supprimé. Ah, c'est possible. Mais ici, ça n'a pas l'air d'être quelque chose qui vient en Express. Regarde la livrée. Ça vient plutôt d'une map allemande. Ouais, t'imagines, là, c'est peut-être une société de leasing. Bon, les gens, ils ont quand même une trotte à faire depuis la gare. Hein. Et je dis ça, je dis rien, mais. T'imagines, tu prends ton train. T'arrives par exemple. Bon, ça, la voie 1, c'est pour le tram. Oui, c'est original, je sais. Oui, c'est une petite gare où tu n'as que deux quais, en fait. Parce que voilà, tu vois, c'est. Comment je vais dire? On est plus sur une gare de transit, tu vois. C'est plus comme des petites gares de banlieue où c'est juste des RER ou quelques trains qui s'y arrêtent. C'est pas des trains qui font terminus, tu vois. C'est là, ça dépose les voyageurs, hop, et après ça repart. Et là, t'as un tram ici, en voie 1. Voilà. Imagine, tu prends le tram, il s'arrête là. Tu peux choper ton train en faisant attention au tram qui vient dans l'autre sens, bien sûr, c'est mieux. Voilà. Tu fais quelques pas. T'es à la gare de bus et t'es à la gare ferroviaire en même temps. C'est pas beau le pôle urbain? Au fait, ton tram, toujours une voie ou deux. Alors il sera toujours en voie unique le tram. Pourquoi il sera toujours en voie unique? Parce que le trajet va être raccourci. Il va faire à peu près 4 à 5 arrêts en moins. Et quand il arrivera au terminus, à Hôpital de Lézy et au futur terminus, gare SNCF à Vironchelles, le tram va faire demi-tour. Voilà, il va avoir un petit aiguillage qui est prévu au terminus. Là, le tram fait demi-tour via les aiguillages et il repart dans l'autre sens. Regarde en véhicule W123, quelque chose comme ça, et des objets statiques. Ah, attends, je vais regarder. Voyez, on a. C'est à ça que ça sert un petit stream comme ça sur l'éditeur. W123 que tu m'as dit. Ah, en véhicule, évidemment. W123. Ah, bah je l'ai pas ça. Pourtant, c'est pas un véhicule de base. Toujours ton même numéro, ton tram line 50. Ça va peut-être être renommé, tu vois. Histoire que ça colle mieux à la numérotation des lignes sur la map. Bah, c'est plus un pôle d'échange très très original, hein.
N'empêche, en heure de pointe, ils doivent s'amuser, les gens, hein. Les gens qui n'ont que 5 minutes de correspondance, ils doivent courir comme des gros pétés dans toute la gare. Ça doit être drôle quand même. Surtout les personnes âgées. Vous s'imaginez un petit peu, mamie Ginette, elle a 3 minutes de correspondance pour avoir son train, son bus ou son tram, et elle doit se taper encore 300 mètres à pied. Enfin, vous allez me dire, normalement, le tram, il sera cadencé normalement au quart d'heure dans la nouvelle version. Actuellement, on est aux 30 minutes, ce sera peut-être cadencé aux 15 minutes. Enfin, je verrai bien un petit peu comment je vais m'organiser. Je vois bien la lettre A pour le tram. Pourquoi est-ce que je vais mettre la lettre A pour le tram en sachant que tu n'as qu'une seule ligne de tram? C'est pas logique. Oui, puisqu'il n'y aura qu'une seule ligne de tram. À la base, il ne devait même pas y en avoir de tram, mais je me suis dit que, ah bah voilà, parquet, MB, machin chouette, sur câble, je suppose. Ah! La vieille Mercedes. N'empêche, ça doit être serré de se garer comme ça, mine de rien. Oups! Elle s'est pris pour E.T. Non mais je me dis, vous imaginez le chauffeur de taxi qui doit se garer comme ça, en crabe. Voilà, il ressort de la gare. Ah, il doit s'amuser le chauffeur de taxi à mon avis. Ouais, vous imaginez, vous êtes chauffeur de taxi et vous vous garez ici comme ça, mais ça n'a aucun sens. C'est clair, ta dame, mort de rire, c'est ça quoi. Maintenant, encore quelques fleurs ici. Mettre quelques passagers, c'est peut-être. Enfin, quelques piétons. Non, mais je vais pas laisser le tram. Je vais tester, voir si quand je mets un bus statique, si le bus passe. Je me demande s'il y a encore moyen de mettre quelques taxis sur le coin, comme ça. Comme ça, le taxi fait comme ça, il remonte, comme ça. Monte un peu dans la voiture de taxi, là, les pneus au sol. Ah, c'est possible. Bon, évidemment, c'est un objet statique. Faut pas t'attendre d'avoir un tableau de bord. Hein. Ouais, c'est vrai qu'elle a les pieds un petit, elle a les pneus un petit peu dans le sol. Tu l'as mis en 0,4. Non, là, je la mets en 0,3. En 0,3, ça va. Elle a pas les pieds dans le sol, mais. Quoique je vais mettre en 0,4 par sécurité. T'as raison, Joker. Ah bah voilà. Là c'est mieux. Bon, c'est immatriculé en Allemagne, mais voilà quoi. N'empêche, vous imaginez le chauffeur de taxi, il refait la gare, il doit en chier pour se garer quand c'est occupé par l'autre personne. Je le plains. J'aimerais pas être à sa place, honnêtement. Hein. Enfin, vous allez me dire, il a peut-être de la place pour manœuvrer, mais. C'est peut-être ça un défaut que j'ai quand je fais les maps, parce que je pense que ça passera jamais, alors que c'est. Alors qu'en fait, si. Pourquoi vous croyez que sur une map comme Innsbruck, j'en ai jamais fait sur ma chaîne, donc. Ouais, ça va, comme ça, il y a de la marge. Hein. C'est comme ça? C'est des bacs à fleurs, c'est pour faire ça plus joli. Ouais, il a de la marge, le conducteur, pour bien se mettre à son aise. Fais attention aux platanes, quand même. Ça sera pas nous, le chauffeur de taxi? Alors, on s'en fout s'il s'en sort ou pas, mort de rire. N'empêche que. Il y a peut-être moyen, si c'est un bon chauffeur de taxi, qu'il arrive à bien manœuvrer dans le coin, comme ça. Attends, j'ai vu une poubelle volante. Ah oui, j'avais vu bien une poubelle volante. Nouveau concept là, c'est. Est-ce qu'un bus statique ça passerait? Attendez, je vérifie. Statique bus. Statique véhicule. C'est pas grave, on va prendre la 600 par exemple. Qui veut pas charger, super. Moi par exemple, bon chauffeur. Ok.
Voilà. Ouf, je pense pas que ça passe. Vous avez vu comme c'est serré pour passer avec le bus? C'est vraiment au poil de fion, hein. Il faudra vraiment rouler à du 10 à l'heure, hein. Je vais peut-être mettre d'ailleurs un petit panneau qui indique les conducteurs à rouler doucement. Ouais, on va mettre 10 à l'heure. Mais non, ça va, ça passe. Faudra jouer avec les rétros. Non, mais en vrai. Voilà, comme ça. Ah zut, c'est pas le bon panneau en plus. Flûte. Ah, j'ai pas fait le panneau 15 km. J'aime bien quand c'est serré, ça fait du challenge. Il y a un autre endroit sur la map, du côté de Douillet sur la ligne 6. Il y a un endroit, c'est un peu plus resserré. Ah, moi personnellement, quand c'est serré, moi ça me stresse. Hein. Même dans la vie, quand je passe dans des rues serrées, alors que je sais que je passe à l'aise blaise. Voilà. Ouais, c'est bizarre, je sais. Hein. Même un bus, ça me paraît un peu limite pour mettre un taxi là. Voilà. Un peu. Ah ouais, le camion il passe en plein là-dedans, donc on pourra oublier là. Et là on remet une zone. Comme ça, on imagine qu'il y a un jour de. Oups, radius un petit peu trop faible. Moi dans les coins serrés en bus, je vais encore les casser. Oui. Mais j'espère qu'en vrai tu comptes pas comme ça. Hein. Je vous dis. Moi en vrai, j'ai mon permis, hein, j'ai mon permis voiture. Même quand je sais que ça passe, je stresse. C'est con, hein. Oui, ça va, c'est large. Hein. Je sais pas si vous comprenez ce que je compte faire en fait. Ça me paraît un peu limite pour garer une voiture là. Ouf, ouais, effectivement. Moi en réel, j'ai le permis voiture, moto, poids lourd. Ah oui, quand même. Moi j'ai que la voiture donc. Et même si je sais que j'ai un petit pot de yaourt, hein, j'ai une petite Fiat Punto, des fois je stresse quand je vois certains endroits serrés. Donc je sais que ma voiture, elle passe vraiment partout, mais je me dis, ça passera pas. Enfin, en fait, si, ça passe. C'est psychologique, c'est fou, hein. On va agrandir un petit peu l'angle. Ah non, on passe en plein dans le trafic si je mets ça. Ça, c'est une des parties les plus chiantes du mapping. Quand vous passez des heures à trouver les bons angles. Ah, merde, misclic, ça arrive. Ouais. Et après on dit que faire des maps c'est facile, ouais. Même pour faire des maps qui sont pas très détaillées comme Volbus, ça prend quand même pas mal de temps. Hein. Quand je conduis, j'ai tendance à prendre large comme un bus à cause de Mzip. Ah bon? Ouais, alors là vous mettez genre des petits bacs comme ça. Je crois que j'avais des plus petits encore des bacs comme ça, attendez. Alors je vous dis tout de suite, il y a des objets qui viennent de la map Epstein, ne vous inquiétez pas.
Apparemment, de ce que j'ai entendu, la map est un petit peu abandonnée aux dernières nouvelles. Ouais, j'en fous, mais comment je vais mettre ça, moi? Ouais, tu mets ça au carrefour comme ça. Mais ça va bloquer tout le carrefour. De toute façon, ce carrefour-là, on ne peut rentrer que dans un sens. Donc, vous allez me dire, à la rigueur, ça sert à rien de mettre. Ah, il est trop gros. Oh là là. Ah ouais, on peut mettre des fleurs. C'est joli, les fleurs. Tout le monde aime les fleurs. Et après, vous mettez genre des arbres dedans. J'aime bien les bugs de NDVB Object. Ouais, c'est vrai qu'il fait des jolies choses. Comme ça, tu mets quelques petits blacks à fleurs. Des blacks. Oh là là. Des blacks à fleurs. C'est joli les fleurs. Voilà. Et là, ici, on vient mettre des petites barrières pour empêcher les gens de se garer. En faisant du parking sauvage, comme on dit. Ce qu'il est. C'est vrai qu'il faudrait que je pense à supprimer les tiles de ces grands parce que j'ai supprimé les objets mais pas les tiles. Ça devrait permettre de bien rétrécir la map. C'est un petit peu mal mis, mais apparemment, cet objet-là, il fait ramer beaucoup de gens, apparemment. Ce petit objet avec la barrière. Ah ouais, là, si tu bloques avec le piéton, il va pas aimer le piéton. Voilà. Ouais, là, tu mets genre des petites barrières, tu sais, là. Ah, il y aura encore des voitures qui vont se stationner comme ça, non? Mais ça me paraît quand même limite pour passer avec un bus quand même. Un angle de combien? 46. Ouh, ça va vraiment longer à côté de la route, hein. Eh, faut pas avoir froid aux yeux quand tu vas prendre ta voiture, hein. Allez, pour la petite info, faut savoir que sur Volbus, il n'y a qu'une seule rue à sens unique. Ouais, c'est vrai, je vous assure, il n'y en a qu'une seule. C'est dans la partie française de la map. Là, pour ceux qui roulent régulièrement sur Volbus, je pense que vous voyez ce que je. Quoi je veux dire. Peut-être allonger un petit peu, tu vois. Voilà, il va lui mettre un petit peu plus de place pour y se garer. Imaginons que monsieur se ramène avec un gros BM, enfin, avec une grosse voiture. Bien longue et bien chère. Je peux pas citer de marque parce que sinon je vais avoir des ennuis sur YouTube. Donc, vous savez, le gros 4x4 à plus de 100 000 euros là, d'une célèbre marque allemande que nous ne citerons pas là. C'est la vérité. J'ai vu les prix, je me dis mais ils sont complètement barjots. Il y a personne qui aura les moyens de se payer ça quoi. Plus de 100 000 euros la voiture. Non mais on va se calmer un petit peu au moment. Je sais bien qu'il y a quelques risques qui pourront se payer ça, mais quand même. Je suis sûr qu'il y a même des risques qui ne se la paieront pas. Donc. Oula, ça déborde un petit peu sur la piste cyclable. Je crois que j'en avais des plus petits.
Non, c'est pas cela. Plaque à plusieurs fleurs. C'est quoi ça? Blumen Hashtag. Oh, c'est joli ça. C'est plus joli que mon truc là. Ouais, alors là, tu viens mettre 2-3 fleurs. De tri-objet là. Oula, ça passe pas du tout là. Ok, ça va se réactualiser. Ouh là là, ça passe pas du tout ça. Ah ouais, déjà la zone de la gare de Lézy est déjà beaucoup plus animée qu'avant. Hein. Y a déjà un petit côté, vous savez, petite cité comme ça, la petite cité de la gare comme ça. La petite cour comme ça pour le parking. Ah, il faudrait vraiment que je trouve des objets plus petits pour les bacs à fleurs. Hein, c'est. Parce que ça va provoquer des petits soucis au bout d'un moment. Bâtiment 2, c'est quoi ça? Ah non, c'est pas pour moi ça. Salut à toi, Forza 500 011. Enfin, bonsoir à toi plutôt. Non, ça n'irait pas, c'est trop gros ça. Oui, ça c'est beaucoup trop gros ça. Non, mais je me souviens que dans le temps, j'en avais des plus petits. Je crois que là, ça doit être assez chéré, là, je pense, là. Ça me paraît même un peu limite pour un bus, quand même. Enfin, il devrait pas avoir beaucoup de bus. Attendez, je dis des bêtises. Oui, exactement, je modifie complètement votre bus au niveau de la décoration, tout ça. Ça, c'est plus l'application. Mais je dis des bêtises, puisque les bus, ils te passeront toujours par ici. Je dis des bêtises, je sais plus ce que je dis, c'est incroyable. Il y a encore autant de gens. Je savais pas que ça intéressait autant de monde, le mapping. Moi c'est bien, ça change de quand vous êtes sur OMSI, ça détend. Mais c'est plus dur parce qu'il faut savoir quoi faire pour meubler les temps morts. Même si je fais un peu plus qu'une simple modification de la map là. J'améliore les décors. Enfin, je sais pas encore comment je vais l'appeler. Je sais pas si je vais l'appeler Volbus Remastered. Je sais pas encore le nom que je vais lui donner, honnêtement. Je m'occupe déjà d'améliorer la déco un peu partout. J'ai pas pour objectif de faire une map de ouf sa mère, vous dis clairement. Mais moi j'ai arrêté un OMSI 2 un petit peu en ce moment. Bah, oula. Ah ouais, les voitures se garent carrément sur le passage piéton. Bah vous allez me dire en vrai c'est pareil aussi, mais bon. Vous allez me dire, en vrai aussi, les gens se guèrent un petit peu n'importe comment, donc c'est pas si réaliste le placement des voitures. Là, par contre, on est sur la piste cyclable. Hein. Là, il va falloir dévier. Tu plais à Vol te plais Volbus 2 ou Volbus 20? Pourquoi Volbus 20? À la base, je voulais appeler ça Volbus Remaster, Volbus Rework, Volbus Modded. Voilà, des trucs comme ça.
Ah oh, bon sang! La courbe est trop petite. Ah mais le truc c'est... Ah bah non, ça va, il y a encore un petit peu de marche. C'est la courbe ici qui... Parce que tu l'as modifié en 2020. Ouais. Mais dans ce cas, Horizon C16 aurait dû s'appeler Horizon 2019, tu vois. Et c'est pour ça que la map n'est pas encore sur BBS, parce que... Enfin, qu'il y a certaines lignes comme la S4 qui ne sont pas jouables sur BBS, parce que pour PDP, donc PDP c'est la personne qui s'occupe de BBS, pour lui la map a déjà été portée en fait. Ah, ça fonctionne bien le petit truc de Streamlabs comme ça pour éviter les spams. Oh là là, ça déborde toujours un petit peu quoi, c'est dingue. Ça fait 3 fois que je jouais, je fais un tour et demi, le jeu se bloque. Ah ouais, c'est vrai que c'est assez embêtant ce genre de situation. Oh là, la barrière qui est pas bien mise là. Ouais, je peux prolonger un petit peu le passage piéton comme ça. Ah, évidemment, il est caché par la texture ici en fait. En fait, c'est parce qu'il est, c'est la texture qu'il cache en fait. Enfin, moi, je pensais en tout cas l'appeler Volbus Modded parce que j'ai vu Freifurt Modded, qui est une version améliorée de la map Freifurt. Mais Volbus Remaster, je trouve ça bizarre. Et des moments ça va nickel comme hier, là le jeu il fait n'importe quoi. Ah bah c'est Homzy ça. Homzy est réputé pour avoir des pour bugger plus vite que son ombre. Ah bah oui. Peut faire comme ça. Bah non, si je mets les barrières, ça n'a pas de sens. Ah il y avait une map comme ça, il y avait des barrières comme ça qui convenaient bien. Il est ouf. Voilà, c'est quoi que c'était celle-là? C'est dans cette map là, il y avait un objet. Je sais plus vous dire du tout ce que c'est. Je crois que c'est Foston. Oh la chance! Ouais, comme ça empêche les voitures de se garer si vous voulez. Et ça permet aux piétons, hop. Ah, il y a lui qui s'est un petit peu barré. Ouais, tu le mets là, hop. Il y a peut-être un petit peu trop de lumière, je pense, non? Bah, je pense que c'est le cas chez tout le monde, hein, comme Z bug de temps à autre. Non, ça n'a pas de sens si je mets les poteaux comme ça. Ça veut dire qu'ils peuvent pas se garer alors qu'ils ont la place pour se garer, ça n'a aucun sens. J'avais pas une texture un peu plus petite. C'est la même. Ok. Oui, il va se calmer un petit peu, Streamlabs, il n'arrête pas de supprimer plein de messages. Ouais, ça doit être à mon avis un bug de chez toi. Ou alors c'est peut-être Streamlabs qui est trop efficace. Tu dois bien avoir ça. Non, 12 cm, c'est trop. Ah, c'est plus fin. C'est une 37. C'est qu'au pire, je vais garder le celle-là.
Ouais, genre, on peut imaginer que tu mets des petites barrières là, tu vois. Pour empêcher les automobilistes, hop, vas-y, je rentre sur la place, je me gare. Moi, je m'en fous des gens. Place de parking d'abord. Ah bah oui, c'est vrai maintenant que j'y pense. Imaginez faire une zone de parking ici pour les gens qui doivent déposer des gens qui vont à l'école. Bah ouais. Bah ouais, regardez ça. Comment ça rend déjà bien. Avec la petite allée comme ça. Moi je vais toujours par Carrefour. Bah écoutez, on va tricher un petit peu, on va déjà commencer à attaquer cette partie-là, tu voyez-vous. Quelle heure il est 23 h? Ouais. Bah écoutez, je crois qu'on va finir de tracer les splines ici. Et on va reprendre l'autre. Ce qu'elle est. À défaut de ne pas avoir sorti de vidéo hier, comme ça vous avez au moins un stream d'une heure. Enfin, un peu plus qu'une heure même. Il fait 1 h 30, mais enfin bon. C'est trop large. De toute façon, pour les gens qui vont bientôt partir, vous inquiétez pas. Hein, je termine ici la dernière chose. Je fais ça et après je vais vous laisser. Hein. Alors, place. C'est serré quand même. Hein. Je sais pas vous, mais ça me paraît serré quand même. Hein. Le bus, il va vraiment frôler les voitures. Hein. Ouais, là, voilà, ici, là, le parking, il refait la boucle qui finit. Comme ça, radius, t'avances un petit peu, puis tu fais moins 3. Voilà, comme ça permet de finir le mini parking. Ah, bah voilà! Ce que je cherchais comme pot. Ben voilà ce que je cherchais comme objet. C'est simplement là. Ce petit coquin. D'ailleurs, il se peut justement que la variante par Abstergo, ben le bus, quand vous arrivez après Pont Atlas, il se peut que je vais peut-être supprimer cette partie-là de la map. Enfin, je ne sais pas encore. À ce niveau-là, je vais peut-être aussi refaire un petit peu le terminus d'Abstergo, et vous? Il voit plus le message. Ah! D'accord. Il est où? Car Park. Comme ça, tu mets une petite voiture, une petite tuture là. Hop. Mais c'est vrai, je peux l'enfoncer dans le sol, ça rendra encore mieux. Et du coup, t'as pas besoin de laisser un arbre comme ça sur la route. Ah ouais, ça rend tout de suite bien. Ouais, la route fait exprès d'être un peu plus large pour le bus. Et après, quand tu repars, elle redevient bien étroite. Ouais, comme ça, t'as de la marge pour te garer ainsi. C'est bizarre qu'il supprime tous les messages, Streamlab. Non, c'est un peu. On est à peu près à cette longueur-là, je crois. Ouais, ça va. Il y a de l'angle pour sortir. Ouais, largement. Cas, je vous dis actuellement, la map, ça va se passer comme ça. On va d'abord faire la zone de la gare de Lézy. Puis, on va tourner vers l'hôpital. Alors, il y a des zones de la map comme le centre méno, par contre, lui, j'ai aucune idée comment je vais l'organiser. Pour ceux qui ont fait l'ancienne ligne 3, je sais même pas si je vais encore garder cette zone-là de la map. D'ailleurs, dites-moi si vous avez fait la version de Volbus. Est-ce que vous aimez bien la ligne 3 d'ailleurs?
Ça, ce que je fais, faut jamais le faire. Sauf si vraiment c'est une spin ou c'est un petit peu. Oula. Ou qu'est-ce qu'il m'a fait lui? Là, c'est beaucoup trop large. Je reviens dans 2 minutes. Bah, malheureusement, je vais bientôt clôturer le stream ici, tu vois. J'avance encore un petit peu jusqu'au prochain carrefour pour faire les espèces de mini parking que tu vois. Après, je mettrai des maisons plus tard, t'inquiète. Allez, ça commence déjà à devenir un peu large là. Ouais, là, ils sont au-dessus là. Là, je suis désolé, mais là. Là, on est sur le parking. Ouais, là, ça va, c'est déjà mieux. Peut-être le mettre différemment, le panneau 50. Ouais, parce que le panneau 50, il est un peu bizarre. C'est juste la spline ici qui casse les bonbons en fait. Ouais, je triche un peu, je le sais. Mais dites-moi un petit peu dans les commentaires si pour l'instant ce que vous voyez vous plaît, ce genre de format vous plaît. J'en referai d'autres, hein, vous inquiétez pas. Ah mais là, mais mes routes n'ont aucun sens quoi, c'est comme les routes belges. Ça parle mal ici. Ah ben ça aussi c'est pas mal. Bon les passages piétons viendront plus tard ici. Hein. Il y a encore longtemps avant d'arriver au prochain carrefour. C'est quand même limite hein, pour un bus qu'on vous regardez. Hein. En heure de pointe. Je comprendrai jamais pourquoi les gens ils prennent plus de kiff quand ils roulent sur des routes étroites. Hein. Hey, ça passe pas. Hein. Il est obligé de mordre sur le parking pour. Ça passe pas. Bah, justement, on m'a dit qu'il fallait que la masse soit plus serrée. Non, mais là, il faut pas déconner, là. Là, ça passe pas, là. Non, là, là, je suis désolé, ça passe pas. Bah on m'a dit que c'était pas assez serré sur la map alors. Ou alors faut faire aller les voitures un petit peu sur le trottoir. En sachant que c'est quand même un endroit ici sur la map où il va y avoir quand même beaucoup de passages donc. Ouais, tu mets un petit peu les voitures sur le trottoir quoi. Histoire de laisser de la place au bubus. Hop. Voilà. Voilà, le bus a déjà beaucoup plus d'espace pour circuler là. Attention rétro, oui, c'est clair. Ben voilà. Là, le bus, il a déjà un peu plus d'espace. Il a déjà un peu plus de marche. Oui, juste les mettre au bord du trottoir. Ouais, bien sûr. Condition que les gens respectent bien sûr ça hein, parce qu'il y en a qui respectent pas hein. Ben, comme c'est ce que je suis en train de faire hein, mettre au bord du trottoir. Oula, c'est pas totalement aligné mais.
Allez, on va mettre un peu ça histoire de leur laisser un petit peu d'espace pour se garer. Non, pas à cheval sur le trottoir, sur au bord. Bah écoute, je connais des endroits en Belgique, ouais je sais, je suis chiant, où les gens doivent se garer comme ça, hein, même si la chaussée est large. Hein. Dis-toi qu'on a un bus là qui va passer. Hein. Il va avoir aussi bien des standards que des articulés dans ce coin-ci de la map. Donc voilà, donc imaginons, là, t'as le bus qui est à l'arrêt. Ouais, l'articulé, ça va être chaud quand même. Si, y a moyen que ça passe. L'articulé, il y a moyen que ça passe. Donc là, t'as le bus qui sort de son arrêt, donc il est comme ça. Il faudra vraiment pas bien. Il faut vraiment. Ah, il monte sur le trottoir, quoi. Faudra vraiment pas être trop sur l'arrêt quand même. Voilà, il repart comme ça. Mais c'est histoire de donner un peu d'espace au bus, tu vois. Donc, comme ça, il a un peu de marche. Imaginons, c'est un chauffeur qui a 10 minutes de retard et qui est trop pressé, c'est bien, quoi. Bon, et eh bien voilà, c'est comme ça qu'on va se terminer pour ce petit live, pour ce premier live mapping. Ça a duré plus longtemps que prévu, ça a duré 1 heure presque, allez, presque 2 heures. Mais bon, voilà, j'ai voulu essayer de plonger un petit peu parce que j'ai vu qu'il y avait encore du monde. Donc voilà, il y aura encore d'autres live mapping qui seront faits sur la map réseau Volbus. Vous aurez des infos bah, bientôt, voilà, quand j'en aurai à vous communiquer. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous remercie si vous l'avez suivi jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il n'y a quand même pas grand monde qui auront suivi la vidéo jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures. Allez, à plus tout le monde. Bye. Bon, maintenant il faut le temps que j'éteins le truc. Voilà, arrête.